Salut à tous, c'est Off, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Destiny 2. Et aujourd'hui on est toujours sur le chasseur et on continue tout simplement l'ascension qu'on a en ce moment même, hein. Et on va retourner sur Titan à l'observatoire des sirènes et voir un petit peu ce que l'on doit faire. Alors bon, bien évidemment je vais monter mon arcaniste et mon titan en live, hein. Donc c'est justement parce que je veux cette interaction avec mes viewers. D'ailleurs merci à chaque fois que je fais un stream d'être là, hein, ça fait plaisir. Et merci d'être autant de monde, tu vois. Au moins il y a cette interaction directement, tu vois. Il n'y a pas ce côté je fais ma vidéo et vous regardez, tu vois. C'est pour ça que genre c'est bien pour les personnes qui n'ont pas une bonne connexion, tu vois. C'est-à-dire que si tu peux pas regarder un stream en live, etc., bah, c'est bien qu'il y ait un YouTube à notre côté, tu vois. Au moins, il y a, cette possibilité de tout simplement, pouvoir regarder la vidéo et de voir un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Parce que là, je viens de voir qu'il y a un petit coffre. Hop. Là, il y en a un aussi. Let's go. Ensuite, on prend ça. Aujourd'hui, je pense que ça va être les petites missions secondaires. Histoire d'avancer un petit peu, tu vois. Nous avons perdu des outils et de l'équipement. Impossible pour mes équipes de se mettre au travail. Ok, voilà. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Les voleurs. C'est les petites espèces d'araignées. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement, tu vois. Genre c'est l'épisode du chill, tu vois. Genre on va faire ça tranquille, récupérer les éléments d'outils de réparation. C'est chiant en vrai ça. En vrai ça me sert à rien de les tuer, les autres déchus. Il me faut juste des voleurs. Ça là qui est là-bas, tu vois. Hop, voilà, tu vois. En vrai, ça ne sert absolument à rien. C'est une perte de temps le plus total. Bon, voilà, j'espère que vous kiffez autant que moi Destiny 2. En tout cas, moi, c'est pour le moment, c'est un pur kiff. Hein. Pour le moment, c'est du pur bonheur, tu vois. Hop, allez, donne-moi ça. En plus, il me donne un petit. Une petite combinaison de charognard. Putain, ça fait du bruit à l'intérieur. Allez, cinquième truc. Grâce à vous, mes équipes vont pouvoir renforcer cette plateforme en un rien de temps. Alors, est-ce qu'il faut faire autre chose maintenant? Ok, il faut avancer là-bas. Trouver la cage des déchus. Bah, let's go. Mais j'entends des boomers là. Pas très loin d'ici. Genre à l'intérieur, j'ai entendu des boomers, tu vois. Donc bon, j'ai pas trop envie d'y aller, tu vois. Bon, pour l'instant, tu vois, on n'a pas trop le swag, hein. Nos armes puent les grands morts niveau style, etc. Mais plus ça va aller, mieux ça sera, tu vois. Déjà, on a un petit peu le swag avec notre pantalon, tu vois. Genre, regarde, attends, déjà, on va changer. Ah, on n'a pas assez de... Mince, mais regarde, déjà, notre pantalon, il a un petit peu le swag, tu vois. Donc, on a quelque chose qui augmente notre swagtitude, tu vois. Aïe aïe aïe. Je pense que c'est par là la cache, non? Ok. Donc pour le moment... Oh, ok. En fait, je crois que c'est un mec qui se déplace. Je suis pas sûr, mais j'ai cru voir que c'était un mec qui se déplaçait en fait. Je crois que c'est là qu'il cache leur butin. Nettoyez la zone avant d'effectuer une téléportation. Ah non. C'est pas du tout ça. Mais je croyais. Quand même meurt, voilà. Ok, bon, on nettoie la zone, on analyse la copie. Et voilà, je prépare un protocole de téléportation. Non mais. Ok. Attendez une seconde. Où est ma balise?
Les déchus vous ont aussi volé votre balise de téléportation? Sloan a dû céder sa place pendant quelques instants. Ce qu'elle crie pourrait vous percer les tympans. Puis-je vous conseiller de retrouver cette balise? Très bien. Ok. Bon, bah, encore du taf supplémentaire. Bon. Attends. Est-ce que vous trouvez que ce déchu ressemble à un voleur de balises de téléportation? Moi, je trouve que oui. Oh, une arme. Yes, mais c'est que du niveau 8 et je suis niveau 7. Ah, je m'en souviens à cette époque là où tu, quand tu grindais, genre il y avait des éléments où tu ne pouvais pas avoir, tu vois. Enfin, tu pouvais celui-là, pas porter. Oh, ben voilà. Celui-là doit être notre voleur de balises de téléportation. Il a l'air encore plus voleur que le précédent. Reviens ici, mécréant. Super, j'ai plus de munitions. Hop, on tue le kamikaze. Grenade là-bas. Et... ok, nickel. Alors tu vois, genre... avant, sur Destiny, les missions secondaires, je les faisais pas spécialement... enfin, sur la première campagne. Hein. Les missions secondaires, je les faisais pas spécialement en vidéo, tu vois. Parce que tout simplement, je me disais, ça intéresse pas. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que, en fait, les gens veulent absolument tout voir. Résultat, bah, pas trop le choix, quoi. On me demande de faire un truc, bah, je le fais, les gars. C'est gratuit, tu vois. Genre, ça, c'est l'avantage, c'est que c'est gratuit, tu vois. Genre, tu peux venir sur ma chaîne, t'abonner, lâcher un like, regarder la vidéo, me dire, ouais, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est totalement gratuit, tu vois. Le seul truc que ça te coûte du temps. La zone est nettoyée. Retournons à leur cache que je puisse vous téléporter. Ok, nice. Ok, nickel. Ok, donc on va retourner l'autre côté là-bas. C'est par où? C'est par là. Hop. Ah là là, quel plaisir de jouer à Destiny 2, c'est un délire. Hein. The hype is real, you know. Ok, tac. Munitions lourdes au passage. Et les munitions lourdes n'ont plus trop grand intérêt. Oula, réapparition limitée. Oula, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, regardez. Regardez le swag de mon pantalon. En vrai, il est stylé, non? Ah, je me suis fait encercler dès le début, tu sais. Ça va être full corps à corps, hein. Ok, je peux pas la mettre non plus. Ok, nickel. Pour l'instant, c'est tranquille. On va mettre une petite grenade par là-bas. On est à 50% du truc. ~70%. On est bien. Je sais pas si on a réussi à détruire l'autre en même temps. Ce serait pas mal. Il y a grenade.
Et hop, 96%, 97%. Ça le fait de ouf. Let's go, baby. Éliminer les déchets. Il y en a plus là, non? Ces composants sont essentiels pour maintenir l'intégrité structurelle de la plateforme. Et grâce à vous, nous avons les outils pour tout remettre en ordre. Peu importe ce que les déchus volent, nous le récupérons toujours. Je ne tolère pas le vol, mais je sais apprécier une bonne vengeance. Bon travail. Let's go! Et c'est le level up. Bon, bah, on va tout level up en même temps. Hop, on va supprimer ça. Là, ici, on va supprimer les deux casques qu'on a déjà. Tac. Ici, on peut pas. C'est du 105. Ah ouais. Tac. Ici. Tac. Tac. 90 de lumière. Let's go. Alors, j'ai quelques points à monter. On va améliorer ça. Ok. Les ennemis proches. On monte ça. On va garder le petit point pour après. Alors. Ouais, on est à l'opposé. Bon, bah, on va faire un petit déplacement rapide. Voilà, bon, ça c'est l'avantage, c'est que le déplacement rapide. Bah, je pense que c'est nécessaire pour éviter de tous retaper le trajet, tu vois. Vu qu'on est un petit peu de l'autre côté. En plus de ça, c'est... Il n'y a pas de temps de chargement, donc c'est assez cool, tu vois. Ok, bon. Oh, il a des très belles ailes. Je sais pas pourquoi, mais ça sent l'exotique, le mec, tu vois. Ok, let's go. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça nous permet un peu d'explorer Titan, voir ce qu'elle a dans le, elle a dessus, tu vois, genre tout simplement les environnements. Bon, j'ai l'impression que niveau social, c'est pas trop ça. Je pense pas qu'il y ait trop de social, tu vois. On va essayer d'esquiver quand même tous les ennemis. Surtout que si c'est genre tuer tel truc et que bah en fait hop. Allez. Résolver un conflit dangereux entre les déchus et deux problèmes. Les prêtresses préparant je ne sais quoi sur le toit d'une tour et les déchus qu'elles ont effrayés. Alors qui allons nous combattre? D'abord les déchus. Ils utilisent des piles à combustible pour préparer une riposte explosive contre la ruche. C'est du bricolage, et ça risque de tous nous faire exploser. Ok, pile à carburant. Donc il faut tout simplement tuer des déchus, voilà, tu vois. Genre c'était une des raisons pourquoi il faut jamais plus ou moins tuer les ennemis que vous voyez quand vous avez une mission aventure en loin. Puisque tout simplement, bah, c'est l'ennemi que tu dois tuer, bah, tu dois attendre son repos en fait. Hop, 5 et 6. Ok, ensuite. Leur pile à combustible. Ils ne feront rien exploser aujourd'hui. Je vois très bien ce qu'ils préparaient. Ouais, les prêtresses de la ruche. Ah ouais. Attends. Très bien. J'envoie vos coordonnées à la ruche. Ah, oui, on est en train de tuer des déchus pour tuer des prêtresses. Modifions ceci et en revistant ça, ça devrait marcher. Je trouve ça étrange, tu vois, un peu. On pourrait appeler ça un trouble ruche. Allons semer le trouble pour la ruche. Ok, let's go. Alors c'est bizarre parce qu'il y a des ennemis partout sur cette planète. Enfin, sur cette lune plutôt. Genre t'as absolument partout des ennemis. Ok, ça pue la merde. Là.
Elle est kiffante cette arme. Ouais, c'est la même que sur la. C'est la même que sur la bêta et. Bon, évidemment, elle est plus puissante. Enfin, elle n'est pas plus puissante en vrai. What the fuck, vous entendez? Trop chelou. Les bons ils mènent pas trop bien en vrai. Ok. Comment t'es apparu toi? Nice you. Nice you. Let's go baby. Hop, ouvre la porte. Let's go. On est plutôt bien, on va pas se cacher, on est plutôt. C'est une cartouche mais pas du tout. Alors. Hop. En vrai, tu vois, c'est une full auto et pourtant elle a une précision de ouf, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien sur cette arme. Elle bouge pas. Elle est magnifique cette arme. Et ce genre d'arme, je te le dis, hein, en PVP ça fait des ravages. Et... Attends de régène un petit peu. Parce que là clairement ça fait mal. Ok c'est bon. On va attendre que les dernières explosent. Nickel. Ok bon. Ah elle fait le taf de ouf hein. Elle fait le taf de ouf hein. En fait c'est presque une Mida mélangée à une automatique tu vois tellement, tellement elle est kiffante niveau précision. Et les joueurs de PVP connaissent ce que c'est la Mida hein. T'inquiète même pas hein. Ah, vous en abusez. Ah boum. Je crois que c'était. Ah oui, je me suis dit, je crois que c'était des munitions. Mais oui, c'est des munitions. Allez, hop. Par où allons-nous, Sloan? En haut. Il faut trouver la plateforme centrale, au sommet de la tour. Ok. Ok, hein. Toujours on va avancer, hein. D'accord. Éliminez les prêtresses. Détruisez ce qu'elles. Là, il y a des trucs de la ruche comme ça qui pop. Très bien. Faut pas tirer dessus. Ah d'accord. Je croyais qu'il fallait tirer dessus.
cru que c'est un ennemi ça. Est explosé les perturbateurs de la ruche. Ah voilà, tu vois, c'est. Qu'est-ce que c'était? Le sol a vibré jusqu'ici. Et qu'avez-vous fait? Absolument rien. C'est pas des ennemis, c'est pas des prêtresses en fait, c'est des conjurateurs, ok. Ouais, c'est des prêtresses à la base. Ok. J'ai fait de me mettre là en fait, hein. J'ai... Oh! J'ai cru que mon engramme allait tomber. Venez plutôt. What? D'accord. Hop. Ouais, ça c'est kiffant. Hein. Dans Destiny 2, le fait de se rattraper, c'est vachement kiffant. Hein. Je vais descendre et je vais me mettre à la porte et je vais les exploser. Hein. En vrai. Ah bah la vague est terminée. Miner les prêtresses haute opératrice. D'accord. C'est quoi? Ça fait peur. Là, là, là. J'ai cru que j'étais tombé, mais non, ça va. C'est ok, boy. 100%, let's go. Les dégâts sont importants. Minime. Vos équipes devraient pouvoir réparer ça en un jour. Trop kiffante cette émote. Hein. C'est un délire, mais elle est trop kiffante. Je suis bien obligé de vous croire. Oh là là, j'aime trop cette émote. Hein. Oh, let's go, baby. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ça. Niveau torse, on a eu ça. Et niveau bras, on a eu. Dommage. On n'a pas eu un meilleur truc, non, on n'a pas eu. Et après le reste, oh, peut-être un meilleur. Pas du tout. Bah, voilà. Bah nickel. Nickel, on termine à 95 de puissance. Ça fait plaisir. Je pense que dans le prochain épisode, on fera tout simplement la suite de l'aventure qui est la suite de la campagne. Sur ce, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, c'est pour intéresser vos potes qui n'ont pas Destiny 2, malheureusement pour eux. Et on se retrouve très vite demain pour la suite de l'aventure. Allez, à plus.